Wesh, West Coast. De retour avec la casquette de Schleya. Alors, on était en train de parler donc des performances des Européens. New York, c'est East Coast. East Coast. East Coast. C'est East Coast. Ah ouais, c'est New York. Ah bah donc du coup c'est East Coast. LA, c'est West Coast. C'est E. Comment tu fais le E? Moi je fais comme ça. Comme ça, mais il faut un petit doigt. Moi je fais mieux. Faut t'atrophier du doigt. Merde. Faut le couper. Faut plus la merde. Bon bref, on reparle des games avec Schleya parce qu'on n'a pas eu son avis, donc c'est intéressant. Ouais. T'as regardé donc les 4 games précédentes. Ah. Est-ce qu'il y a une game surtout qui t'a marqué, que ce soit en termes de niveau de jeu, de gameplay ou quelque chose, peut-être des petits trucs que toi tu as vu que nous on n'a pas remarqué? Ben, j'ai trouvé moi le compteur de Fnatic du Shen très intéressant avec la Lucina Téléport. Et du coup, ben, le Shen il a été totalement useless pendant toute la game. Un TP bot, triple kill pour Fnatic, normalement ça devrait pas se passer comme ça. Donc Soaz, je trouvais très performant avec son téléport. Très performant. Et, deux fois de gank 1. Ouais. Un sur un top lane dès le début pour équilibrer un petit peu les compteurs, puisqu'ils avaient réussi à ramasser le First Blood, les Ozone, les Et Samsung. Le deuxième bot avec Cyanide en plus de ça, supériorité numérique 4v3, chut, on rase. Ça, c'était fait. Et je suis curieux de voir si, par contre, ils vont laisser Shen à Darien. Ouais, là c'est. C'est qui le First Pick déjà? Alors, logiquement, match aller au niveau du seeding, ça devrait être Fnatic, normalement. Ah, du coup, le Shen devrait être Fnatic. Peut-être le laisser open, du coup. Parce que Fnatic champion Summer, c'est le match aller entre Fnatic et Gambit. Ça devrait. Normalement, ça devrait logiquement, être comme ça. C'est Fnatic. Normalement, c'est Fnatic. Ça devrait être comme ça. Est-ce que tu as un petit pronostic pour ce match? Difficile de faire un pronostic entre Fnatic et Gambit. C'est difficile. Après, ouais, Fnatic, ils sont plutôt confiants contre Gambit. Mais Gambit, après un bootcamp, c'est pas le même Gambit. Non, ils sont ouf. Ouais. Ils ont pété les plombs. Hein. Ils ont élevé leur niveau de jeu. Hein. Ah, on les avait pas vus comme ça, ce tel niveau de jeu, depuis bien longtemps. Peut-être d'ailleurs depuis. Les finales, elles dernière semaine Summer, ils ont complètement explosé et avec encore. Le retour de Miss Fortune et tout. Après, je pense que physiquement, ce qu'ils font, c'est impressionnant parce que voyager tous les week-ends, 8 heures de trajet, ça pèse. Il vous en faut du sommeil, les joueurs League of Legends, bien sûr, ça pèse. Sauf pour les Philippins, les Philippins, 13 heures, oh non, on est bien réussi. Non, les Philippins, ça allait, il n'y avait pas de souci à propos de ça. C'est ouf, quoi. On va te demander ton pronostic entre les deux équipes. Est-ce que Alors, fais gaffe parce qu'on a 3-0 déjà. 4-0. 4-0. On est à 4-0. Est-ce que déjà ton cœur balance vers une ou l'autre équipe? Bah, Fnatic. Plutôt. Fnatic. Avec les Français à cause. Bah voilà, c'est ça. Bien sûr. French baguette. Cocorico, les amis, un petit peu. Ouais. Je vous rappelle, vous pouvez aller sur le hashtag Worlds et Go Fnatic pour montrer votre amour, bien sûr, à cette composition des Fnatic. Donc, composé des deux seuls joueurs français en lice de ces finales saison 3. On a une interview. Petit reportage sur les Grands Bits. On l'écoute. Against them, and I guess they are scared of that, so probably they have prepared a lot for it. Obviously there's more at stake now. I'm pretty confident we can still beat Gambit, like we've beat them the last 8 times I think we played them or something. I think the only reason why they were really good against us was our mistakes, so we should just fix them, so they will have no chance if we will do so. I was actually asked this question before, who I would like to face in our group the most, and I said Gambit, because I just want to beat them again, to be honest. I don't feel like they really outpicked or outbanned us during the banning phase. It's only 2 games and we can win them. It's only 2 games and we can win them. C'est Voidal qui dit ça. Et si on fait pas d'erreur, on pourra remporter la partie du Diamond. Oui, effectivement. Oui, si on fait une game parfaite, même moi, hein, si je fais pas d'erreur dans une partie, je la win. Ouais, ça reste logique, Diamond. Il a fait des gros matchs, Diamond Prox. Il a été très propre. Hein. Niveau de la vision de jeu, niveau du contrôle de map grâce à son jungle. La pression qu'il met sur la lane aussi. T'as vu ça? Contre zone, surtout, on l'a vu avec sa Evelynn. Bon, après, ils ont laissé Shen Evelynn. Incroyable. Un petit combo. Quelques shields sur. Quelques petits boucliers sur Diamond Prox. 8 barres de vie. Ouais. Allez, on va être parti. Vous voyez le head-to-head. Soaz, Cyanide, XP, Kepuzu, Yellowstar, Darien, Diamond, Alexis, Genja, Voidal. Vous avez vu les 10 joueurs, vous les avez vus beaucoup avec nous durant les LCS EU. Évidemment, il y a eu énormément de confrontations entre ces deux équipes, que ce soit en championnat régulier, que ce soit aussi en play-off. Ils se sont rencontrés encore une fois. Et gagnés en majorité par Fnatic. Et voilà. Est-ce que ça va peser?
ils se sont rencontrés en playoff. Tu sais, je l'ai lâché comme ça. Tu veux, ça c'est ouais. Le truc de commentateur. Ça, tu restes dans ton truc. Hein. Après, c'est une chance sur deux. Tu sais, tu t'en rappelles plus sur le moment. Tu dis un truc et tu t'y tiens. Ce truc, c'est voilà, c'est comme lui. Hein. Des fois, il dit des trucs. Ah, moi, je il go. Il go. Et puis après, la maison, il me dit. Sur les classements et tout, machin. Après, la maison, il me dit attends, je me suis trop merdé. On regarde la VOD, on fait putain, on a été trop con sur ce moment-là. On a dit trop de la merde. Non, mais bon. Il faut paraître confiant. Voilà. Okay. Donc on te le dit la prochaine fois et tout. Okay. Tu fais oui. Tu fais ouais, okay, c'est okay. Vrai, ils avaient même win 2-0 et tout, ça s'était très bien passé. On va rester avec toi pour les bans et les picks pour avoir ton analyse et qui risque d'être fort intéressante. On a déjà deux bans du côté des Fnatic. On fait pas l'erreur de ne pas oublier la ban de Evelyn, évidemment. Z du côté des Fnatic, Shen. Il ne veut pas le laisser à Soaz. Et surtout qu'on sait que Darien, c'est un fan des AD top. Un peu moins des AP déjà, il joue un peu Elise, mais il est pas trop fan. Là, je pense qu'ils vont essayer de faire un target. Peut-être un first pick V de la part de Fnatic. Ou peut-être un ban. Tu penses que le combo. Il y a la Sona aussi qui est un peu chiant. Le combo Gambit leur fait peur, le Xerath V que tu t'es pris dans la face. Ouais. Qui fait très mal. Ça fait très mal. Enfin, faut pas que t'aies un midweek en fait. Genre un petit bait du pick de TF par exemple. Par contre, Kassadin qui est up. Kassadin qui est up. Pour le moment, on sait pas encore. Pour le moment. Et si on a un TF Elise de ban, first pick Fnatic. Il y a Aatrox aussi. Attention à Aatrox. Voilà, Aatrox. Exactement. Voilà. J'allais vous dire. Attention, côté, Aatrox. La Sona qui tombe chez les Gambit, logiquement. Qu'est-ce que t'en as pensé du Aatrox de Darien tout à l'heure avec l'Hydrovoras, etc. La Sona. Il était présent vraiment beaucoup sur la partie. Toujours top lane pour aller push, rester 10 secondes, retourner sur un mid lane pour essayer de push la mid lane pour garder le contrôle, la vision de jeu. C'est le Twitch, oui, c'est le Twitch. Ça se passe bien le Twitch. Fait Twitch. Et parce que. Il parce sort que... le Twitch, il fait plus contre moi. Oui, go ça. Non, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Ah bah c'est. On a envie de dire. Moi j'ai risqué parce qu'il y a Kassadin de up. Et c'est trop bien en plus Kassadin contre Sona. Je pense que là, il va s'orienter sur un Kassadin pour le moment. Enfin, si j'étais. Ah, mais donc, du coup, ça appelle vraiment les Fnatic. Est-ce que vous pensez pas que c'est non plus dans leur esprit au Gambit de prendre ces deux picks-là pour forcer le Kassadin? C'est possible aussi. Et après, on l'a aucune vie. Est-ce qu'on force le Kassadin d'XP? Mais le truc, c'est que Kassadin. Si Aatrox c'est jungle, bah, je pense qu'il va être jungle. Oula, encore pire. Oh, t'as l'honnête. Footback. Bah là, du coup, avec Vi, ça va être encore pire. Tu te fous de moi. Mais là, la possibilité de mourir au mid avec un Aatrox et un Talon est décuplée. Du coup, le TF, ça va être risqué pour lui. Ça va être très très risqué. Mais c'est quand même étonnant là, de ne pas voir soit sa Dissandra, soit son Kassadin. Orianna. Oh, une Orianna. Ça va. C'est déjà plus safe pour TF. Ouais, Orianna. Et la Azira botlane hein, pour y le pouce. Le Varus. Il repart toujours le trash de Open. On a toujours le trash de Open du côté à Deliosar qui sera disponible. Mais on a aussi la Leona, hein. Bien sûr, on pourrait repartir à peu près sur la même composition que tout à l'heure avec un Aatrox qui pourrait engage le Varus qui serait là pour mettre un ulti. La Leona, bien sûr, pour enclencher tout ça. Et la Lissandra qui est toujours open, bien sûr, pour notre. Et on repart sur la même composition quasiment que tout à l'heure. On repart sur le compo, sauf qu'on n'a pas le Kyriadé qu'on voulait vu que Corki a été self-ban. Oui, bon. Parce que c'est un mal pour un bien, on a à nouveau CC avec Varus de l'autre côté, on garde la même logique. Ça c'est beau ça. Le Mimu ? C'est beau. Ouais. J'aime assez. Est-ce qu'il sera dirigé plutôt du côté de Diamond Prox dans la jungle ? C'est étonnant. Parce que le Aatrox sera à jungle du côté de Cyanide. Ah oui, ça c'est. Ça je pense qu'on est tous compris. Alex Xingzao il repart sur ses premiers amours. La Miss Fortune. Ah ouais, serait-ce un appel au Renekton? C'est vrai. Serait-ce un appel la Miss Fortune Genja. On va dire que c'est un peu. C'est Alexis qui lui avait dit quand ils avaient losing, ils avaient plein de lose. Il a fait on revient sur du classique, Sona MF, le bon vieux Gambit. Le bon vieux Gambit. Et du coup, ça avait payé. J'avais un J4 disponible si vous voulez partir sur un combo classique. Mais bon, j'imagine que le pick d'Orianna est assez dérangeant quand même. Bon, là pour l'instant, j'imagine que ça. Donc là, il reste. Le public pète un câble. Pourquoi c'est en train de pick des Kyriadés pour non, là. C'est sa signature, je pense. C'est pas Valid Man, hein. Non, mais pourquoi il est en pick 1 là? Non, mais c'est sa signature, je crois. C'est un perso qu'il aime bien. Ok, très bien. Sa signature. Comme toi avec ta signature de Ziggs. Voilà. Ah, tu nous as fait plaisir. On était là. Schleier, il est parfait. Le premier Zach. Avec la Leona. T'as vu?
Et t'as vu ce combo qu'ils vont avoir avec Fnatic, ouais. Lauriana Jack. Ils ont vraiment une composition de ouf. Oh là 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 là. C'est Valid Man. En plus, c'est une compo très très fighty. Et contre TF, ça va être compliqué. Et là, Gambit, ils doivent répondre avec un perso encore plus teamfight ou qui snowball les lanes. Ça, Mundo. Mundo, parfait. Parfait. Mange des haches, c'est bon, ça désamorce. Une Shyvana, voilà, oh ça là c'est là bien. Ça c'est bien. Là ça va être très teamfight, il va y avoir beaucoup de Xing Zhao, Shyvana, Miss Fortune, Sona. Beaucoup d'action. Hein. Et là en face, Orianna, c'est la première, Zach. Première lane Shyvana qu'on voit depuis très longtemps. Lane Shyvana sur Darian. Très très longtemps. Ouais. Allez, on a le sondage qui a pop en dessous du lecteur. Wow. Choisissez votre composition favorite. 50 secondes qui vous restent pour voter les Fnatic ou les Gambit. Votez avec votre cœur, mais aussi avec votre cerveau. Regardez bien les compositions. Juste avec le cœur, quoi. On a, surtout avec le cœur, on a des gros ultis en préparation du côté des deux équipes. On a une ancienne version de la Miss Fortune, etc., qui va jouer un rôle prépondérant, bien sûr, en termes de dégâts. Xing Zhao dans la jungle, Shyvana en lane, comme vous le disiez. Ça, c'est first time. Ça, c'est first time. En plus, ça va être compliqué en plus pour Swaz de ce stuff. Ça fait des dégâts magiques et physiques en même temps. Du coup, ben, s'orienter plutôt sur une Sunfire, je dirais, parce qu'un Xing Zhao jungle et après Spirit Visage. Ça un swap de lane en prévision, messieurs. Le swap de lane aussi. Voilà, le swap de lane avec la Shyvana, comment ça se gère? Comment ça se gère ce fameux swap? Ben, je pense que c'est ok, mais Xing Zhao, il devra camper la. Ouais, il va devoir camper. Et parce que là, en 2v2, Xing Zhao, Shyvana. Normalement, ça. Xing Zhao, Shyvana, ça tue. Hein. Non, on rajoute un point fort, bien sûr, à la composition des Gambits. C'est le double passif sur Zac et sur Aatrox. Ouais, qui peut amener des gros dives, bien sûr, dès le level 3 avec les double buffs sur Aatrox. Ça peut jouer, ça peut jouer en team fight. Les Drake déjà. Rien que les Drake, ils sont basés sur du burst avec MF Sona. Et s'ils mettent tout sur, sur le passif, ça va être compliqué pour eux. Allez, on va voir bien sûr cette partie. Votez toujours en dessous du lecteur. Ah, on vous a mis déjà les résultats. Ça vient de finir. 480 votes au final. C'est pas très serré. 70%, 70-30. Vous n'êtes pas très objectif. 70-30. C'est bien. Allez, bien. On soutient nos deux Français, Bora, Kim Yellowstar et Soaz, Paul Boyer. On est rentré dans la partie. Tu restes avec nous, Shlaya, comme tu veux. Comme tu le sens, tu peux. Je regardais d'un œil externe, je vous laissais faire le casting et tout. Et je reviendrai peut-être à la fin de la game. Peut-être des petites interventions en plein milieu, je ne sais pas. Eh ben, il n'y a pas de soucis. Il est toujours avec nous, en tout cas dans le studio, et il a toujours son micro à la main, donc c'est parfait. Allez, on est parti avec les Gambit en Redside qui vont aller directement sur le bush top, mais ça va être wardé de la part de Yellow. Et voilà, à plus, messieurs. Vous avez été complètement spot. Rien de chelou au niveau des starts, non, on part sur le Graal Impif, bien sûr, sur XPK, comme il l'a fait contre. Contre les Ozone. Et on a quand même des wardés du côté des Gambit. Cette free ward qui avait été placée. Du coup, on a placé une petite ward dans l'entrée du buff bleu du côté de Yellowstar. Pour se prévenir, bien sûr, de la petite stratégie. Est-ce que ça va commencer Redside et vouloir go sur le buff bleu des Fnatic, apparemment? Ils sont déterminés là, de toute façon. Ça avait l'air de vouloir faire ça directement 10, dans la stratégie des. Il y a un back qui va partir. Est-ce que c'est Darien qui est en train de back? Est-ce qu'il veut prendre ce 1v2 avec sa Shyvana, comment il va faire? Ça, c'est très 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 intéressant. Parce que c'est du jamais vu pour le moment. Ah, le Doran Shield qui a été choisi, on fait un petit tour du côté des stuff. C'est le Darien qui back, hein. Ah, l'épée de Doran sur Aatrox, l'épée de Doran sur les deux carrés AD. Double charme féerique du côté de XPK qui a pris un cleanse. Hein, ouais, le cleanse, voilà. Bien sûr. Le cleanse pour éviter les genres de surprises au gold card et compagnie. Ah, les bots et les popos sur le Twisted Fate. On a plus beaucoup de stuff sur la Leona déjà par rapport à la Sona. Darien, il est archi chaud, Darien. Shyvana, je vais en V2, con. Ah bah ouais, moi j'ai envie de rêver un petit peu avec ça. Vas-y, prends le Brownie. Prends le Brownie. On t'offre le Brownie, Shlaya. Allez, Late Invade sur le Blue Buff, 1.55. Est-ce qu'ils vont tenter le style ou directement le lâcher? On voit directement que ça part sur l'autre buff bleu, ouais. Bien sûr, du côté de Yellowstar et de Pouzou. Et ça a été bien sûr pris sans aucun problème par les Fnatic. Par les Gambit, bien sûr, et les Fnatic, ça va être exactement la même chose. Un petit peu plus late, le Cyanide. Un petit peu décalé dans cette jungle. Mais en soi, c'est pas vraiment négatif. On a smité directement de ce côté pour essayer de rattraper un petit peu le retard qu'il avait sur ce blue buff. Il prend ses petits loups, ouais. Diamond. Il y prend le gros loup. Il va les laisser ou il va. Je pense qu'il va, il va les laisser. Il va en laisser un. Il va en laisser un. Yellowstar qui est là. Commencer au Q-spell normalement. Darien. Darien, ça commence à faire déjà un petit peu de la merde là. Un tiers HP qui vient de tomber. Ça fait cher. Assigné de level 2.
qui n'aura pas de mal vraiment à faire son red buff. Par contre, il va être un petit peu low HP à la fin. Diamond qui n'avait pas smité le blue buff, si il l'avait smité. Il n'y aura aussi aucun souci. Level 3 pour les deux junglers dans quelques instants. Alexis donc avec son Twisted Fate. La guerre du farm, mineur. La guerre du farm. On va se concentrer vraiment, regarder sur le farm, si on réussit à rester au 16 par minute, bien sûr. Les deux midlaners, les deux superstars européennes. Et pendant ce temps-là, sur la top lane, le meilleur top laner mondial, sûrement. Et en 1v2 contre Sona, Miss Fortune. Et il va se faire diver peut-être par Xinzao, Aatrox. Et... Et là, regarde, il est en train de se diriger vers la top lane, Cyanide. C'est très très bon ce qu'il est en train de faire. Voilà. Va falloir faire attention, mais ils ont quand même double passif. Double passif. Indivable. Mais ils vont quand même tenter. Caméra bouge, bordel. Allez, Diamond qui est là avec ses double buffs. Oh, ils sont chauds, ça a engagé directement Cyanide. Oh, le flash in de la part de Diamond. Est-ce que ça va réussir à concrétiser un kill? Genja qui s'en sort à 3 HP. 3 fucking HP pour Genja. Ça s'est bien passé du côté des Gambit Gaming. On n'a plus d'ultime, on n'a plus de passif du côté de Cyanide maintenant. Et on est en train de ticoter sur la top lane. Est-ce qu'on va rester du côté de Diamond pour engranger un gros push? Je n'ai pas l'impression. On va refaire le tour. On a toujours le passif hein, sur Soaz. Ouais, toujours le passif. Mais attention, c'est quand même assez dangereux puisque Diamond est toujours présent. Va aller voir un petit peu si le camp de loup a été reset. Il a pas été reset, donc on fait demi-tour. Petite intervention middle lane, ça paraît pas tellement possible. Et Soaz, quant à lui, est en train d'entamer son first back avec 6 creep kills. Ça fait pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut nous acheter à part des consommables? Pas grand-chose. Pas mal au niveau de la trajectoire. Le troisième coup qui ne passera pas pour Diamond. Oh putain. L'auto-attaque, elle a fait mal. C'est bon. Ça a enlevé 2 carreaux HP. Ouais, massage fort. Allez, level 3 pour Yellow ainsi que pour Pouzou Darien qui a 10 CS, hein, qui n'a toujours pas utilisé sa popo. Ça tient bien chez la 1v2. Ça tient après le support qui est quand même all-in. Ah, il est pas fait pour du 1v2 le support. Par contre, là, il n'y a plus de passif sur Aatrox. Va falloir être assez précis au niveau du dive. On a Ignite sur Yellow Star. Le qui passe pas, qui touche. Donc le bump juste c'est derrière bon, le fait Ignite. Easy peasy du côté des Fnatic. On concrétise le first blood sur la bottom lane. Okay. On va prendre cette tower puisque la tower top va être dans une très mauvaise posture si on ne la prend pas sinon. Et on a un tout petit avantage de gold actuellement, peut-être un Drake juste après, étant donné que Diamond Prox est en train de se diriger vers la top lane. Ça ouvrirait gratuitement un dragon du côté des Fnatic. Allez, pas de let's bounce, pas de flash pour Soaz, s'ils arrivent à mettre suffisamment de creep sous cette tour. Il y a moyen déjà de déclencher le passif. Et peut-être aussi. On prend pas la tower. On va pas sur le dragon du côté des Fnatic sur la bottom lane. C'est bien dommage. On n'avait pas la vision sur Diamond Prox qui a recall directement. Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait y avoir justement un dragon, quelque chose comme ça. Petite embrouille, voilà. Dès qu'il allait être vu, que ça allait être spotted. La tour T1 bottom qui n'est pas tombée en faveur des Fnatic, bien sûr. Et le Darien qui est toujours présent avec ses Summoner Spell. Donc là, au niveau du dive, ça va être beaucoup plus compliqué pour un deuxième round éventuel avec le dash out ultimate plus le flash. Ça paraît. Ils ont pris le kill au moment précis. L'agression directement sur Alexis, sur mid lane. Et le flash out qui est tombé quand même à la 6ème minute. Re-up aux alentours de la 9-10ème. S'il y a un dragon avant, ça peut faire la différence. Ah, c'était pas mal cette agression de la part de XPK. Utiliser uniquement un ultimate contre un flash de la part de TF. Et je vous rappelle, sur l'invocateur, hein, on a un cleanse sur XPK. Et le fameux double Doran's Schleyanir. Doran Shield, c'est ta marque de fabrique, Doran's ça, hein. Blade, c'est un petit peu comme ça que tu fonctionnes. Il t'a tout volé, Darien. Darien, enfoiré. Voilà, on a une épée de Doran sur Xingzao après avoir acheté la machette du chasseur. C'est intéressant. C'est plutôt étonnant, carrément. Ah, peut-être pour rester sur un pied d'égalité avec Aatrox. Ouais, c'est voilà. Ce que j'étais en train de me dire. Bon, un gros pied d'égalité parce qu'il y a quand même 25 CS. Oui, bon, puis Xingzao, ça dit quand même. Il y a l'assist hein, sur Cyanide. Il a récupéré son passif, bientôt level 6. Ouais. Je pense qu'en 1v1, c'est pas trop testable là actuellement. Non, c'est pas testable. Le stéroïde ultimate, il est un peu plus fort que la pump de Xingzao. Allez, ça se redécale sur la top lane. Non, plutôt sur le buff bleu. Le deuxième, est-ce qu'il est. Et recounter de l'autre côté. Ça va rester comme ça. On est level 6 du côté de Soaz. On a son flash, on n'a pas son flash. On n'a pas son flash. Allez, le 4v1. Top lane, l'ulti de TF qui a été claqué. On a tout claqué. On reset l'aggro, on attend tranquillement. On attend que ça se regroupe un petit peu au niveau des blobs. Et puis voilà, un petit focus.
On a pris le Drake du côté des Fnatic. On est en train de le faire actuellement avec Aatrox, Yellowstar et Varus. Par contre, en train de se faire pusher la bot lane et on va même se faire voler les golems de la part de Darien. Darien en mode super overextend. 10 200 golems à 9600, première tower tombée pour les Gambit Gaming. Et on, eh bien, on est devant en termes de score. 300 golds d'avance du côté des Gambit. Et on a une petite tourelle d'avance, la tourelle bottom à du côté des Gambit qui est un petit peu low HP. Il faudrait penser à rééquilibrer le nombre de tourelles des deux côtés et expliquer qu'il est en train de se faire avoir un petit peu là sur ce coup-là. Chaud Darien. Ah, il est level 7, hein. Level 7 Darien, 39 CS sur sa Shyvana, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup il en termes de CS. Chaud. on est supérieur dans la jungle et sur un top lane du côté des Gambit. Hein. Très très gros last hitting hein, sur les solo lane mid et aussi sur les ADC, 70, 65, 71, 63. Il y a quand même pas trop de last hit miss malgré les quelques actions, sauf a priori sur la mid lane quand même où c'est resté un petit peu plus calme. Par contre les ADC, au taquet, hein, Pouzou qui fait un bon taf, très très bon taf d'ailleurs. Et on reprend l'avantage en termes de gold, 700 gold. On est sur son deuxième red buff du côté de Diamond, level 6 sur les deux junglers. Level 7 sur Soaz qui a acheté sa Janon Belt hein, après sa première mort. Pierre spirituelle du côté du Aatrox, on a les bots. Nous avons quoi du côté de XPK, le Graal Impi d'Atem en préparation. On a le Calice d'Harmonie. On a la première BF hein, comme tu disais sur Varus. Et on est un petit peu en retard du côté de Yellow avec uniquement le Ruby Crystal par rapport à la pierre de vision de Voidel. On a avec Crescendo, on n'a pas encore l'ulti de Bobo. Ça va très bien. On a l'ulti de Bobo. On a l'ulti de Bobo. Là il va se passer des trucs. Non mais il a win. Oui il a win, là. Il a win. Go, ulti, hop, ça touche, c'est le stun. Ensuite le flashing Q et le E par-dessus exactement... l'ulti de Varus. Oh, parfait. C'est perfecto. C'est Bobo. Parfaitement exécuté perfecto, par Bobo. Perfecto. Perfecto c'est Bobo. Voilà, tout simplement. Flashing Q spell pour personne n'y aurait sûr, pensé à ça. Pour être sûr à 200% de pas louper le skill shot, flashing au cac, le Q spell passe. Le Q spell passe. Il s'y attendait pas, Yann, là, ça. Non, il s'y attendait pas trop. Mm-hmm. Hein. On se la pète un petit peu en faisant des flashs à travers des flèches de H. Mais un simple combo Leona, là, on sait. Non, évidemment, mais bon. On va se calmer un petit peu, mais. L'esprit est là. Ah, ça fait une mort du côté des Gambit et on arrive à 1 kagold de différence entre les deux équipes. C'est en train de pusher la middle lane. On n'a pas le buff bleu hein, du côté d'Alexis et on l'a du côté de XPK. Donc, ça, très bonne nouvelle. Hein. On va voir du spamming de Bouboule et on va même se permettre d'aller voler les fantômes du mid laner russe. Voilà. En tout cas, si on y arrive, ça va être un petit peu compliqué. Il y a Diamond qui est pas loin. Il est à 102 le cochon. Hein. Diamond qui est pas loin, fais gaffe tout de même, on a le smite du côté de Diamond. Non, on n'a pas le smite. Est-ce que ça va le saouler? Et non, voilà, c'est le XPK qui le chope. Et il a plus de dash du tout, Diamond, donc il peut pas recontinuer à gap close sur XPK. 103 CS. 103 CS, on a à la 10ème minute de jeu. Ouais, ça me rappelle le Schleyer. Oui, c'est correct sans plus. Ouais. Déjà vu. C'est une game basique de Schleyer. Ouais, okay. c'est temps d'axe quand même, c'est temps d'axe. Ah, c'est beau hein, ce qu'il est en train de faire l'espagnol, le capitano. Regardez ça, le positionnement de la boule. Il y a une Choco qui peut partir à n'importe quel moment. Une bot lane. Il y a Xing Zhao sur le flanc droit, faut faire attention quand même à pas overcommit là-dessus. Ouais. Elle va nous push tout ça. Est-ce qu'elle va même utiliser. C'est chaud pour Soaz, hein. C'est très très chaud. Hein. Le Darien il est pas contrôlé. Hein. Un petit peu de meilleur stuff et un peu plus de sustain, une épée de Doran en plus. Oh, il est vraiment en pick team, hein. C'est un petit peu le même esprit que le match hit, mais bon. À quel prix aussi? On sait pas, on va être fixé un petit peu plus tard. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Shyvana est un grand câble en l'état actuel, pas de doute. Et on push hein, du côté de Genja, on se permet de faire un recall, acheter. À mon avis, ça pioche. Attends, il est parti sur quoi? Il est parti sur BT. 1, 2, boum, voilà, on gère les CS, easy peasy, pas de stress, tranquille. On retombe un petit peu en intensité dans cette partie maintenant. Oh, oui. Le prochain dragon 850. Le prochain Drake, prochain objectif de map, il risque d'être important celui-là. Ouais. Attention au TF comme tu es en train de le dire, il y a aussi Diamond Prox qui est pas loin. Ça peut être très dérangeant, il est en train de décaler. Attention Alexis, et voilà, l'ulti a été enclenché. Il est dans une bonne position, Soaz. Ah, le Let's Banza peu mal placé ici, il n'y a pas eu de bump, mais bon, il y a déjà le movement speed, le slingshot qui passe. Il est chaud, Alexis. Non, non,
Ah, il y a le flash qui ne sera pas utilisé. On va se permettre de toucher la mid lane directement. Il y a Varus, Pouzou qui est sur la bottom lane avec un gros dive push. C'est très mal passé. On n'a pas pris l'aggro de la tower avec Cyanide, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On ne sait pas. Overcommit avec le E évidemment sur Sona. Attention par contre la T2 bottom là. La T2 top lane, La T2 top lane et la T2 bottom du côté de Pouzou. Il y a un gros push, il va la prendre. Par contre, il va falloir faire attention du côté de Swaz. Ça redécale, il n'y a pas de crescendo. Est-ce qu'il y a un bullet time? Il n'y a pas de bullet time non plus. Il a on peut pas tout à l'heure. On est en 1v3 du côté de Swaz. On va go. Pas de best trade, déconnez pas. Non. C'est très très bon pour les gens. Très tellement importante cette tour, tellement importante. Il peut pas go. Waouh. Il y a Atrox qui vient de recall à l'instant même. Une T3 qui tombe à la 13ème minute, ça peut être déterminant pour les gens. Oui, mais on a volé le buff bleu. Et avec un TF. Tu fais bien de le souligner, mon cher Schlaya. Avec un TF. Qu'est-ce qu'elle est importante cette tour. Heureusement. Oh, le Fnatic. La Fnatic. Avec dans le dos. Voilà. C'est bon. C'est géré. C'est Bobo. C'est Bobo qui a pensé. Il l'a... C'est lui qui a dit la stratégie. Bien sûr. Il l'a inventé, tout ça. C'est lui qui a dit à Riot de mettre ce bush. Donc, c'est à partir de là, oui. Allez, Cyanide level 8 avec son Aatrox 39 CS. Pas attaqué sur ça. Mais en tout cas, au niveau des objectifs. Niveau gold, on gère chez Fnatic. Ouais. On est même devant. Mais la T3, elle est dérangeante. Heureusement que c'est pas une T3 botlane, tout de même. C'est la T3 top, c'est un peu plus près du Nashor. Ça gère un peu plus facilement. On a Lich Bane hein, sur Alexis. Va falloir faire très très attention. Inhibiteur à découvert, on voit souvent des games qui se frisent totalement après que les 6 tours extérieurs soient tombés puisqu'on n'arrive pas à percer le truc. Et là c'est déjà troué à la 13ème, mais on a un avantage en termes de stuff. On est à 2k gold d'avance à la 14ème minute. Mais ça tic-tic quand même, c'est important. Si on part dans du late game, on va avoir un souci avec cet inhibiteur. Petit changement du côté de la Orianna, pas les bottes de Mercure, on a fait les bottes de Spellpen avec l'alacrité encore une fois très rapidement. Est-ce que d'ailleurs on pourrait en parler un petit peu après de ça? Je trouve que c'est un investissement. On va en parler maintenant. Investissement quand même assez ouf. C'est à la créité 475 de gold pour uniquement 15 MS en plus. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un bon choix, toi, Schlaya? Le TF, on a vu, il avait des quintessences MS. Ouais. Du coup, pour le chase et l'empêcher de TP, c'est plutôt cool. C'est les 15 de MS qu'il faut justement pour pas se faire chase? Je crois pas, mais comme le TF là il a pas amélioré ses bots lui, il est parti sur Lich Bane direct. Avec ses bots, je pense qu'il a autant de MS et du coup il peut cancel son TP s'il a toujours la vision avec son ulti. Et ça peut être plutôt cool. La T3 bottom, la T3 top lane, vraiment quelque chose de très important. Tu nous as dit toi aussi, mais avec TF et tout, avec l'ulti, ça va être trop la merde. Il va pouvoir se mettre en split push. Toi tu disais que heureusement que c'était celle top lane et pas bottom. Heureusement, surtout. C'est moins grave, mais c'est toujours. Dans quelle configuration de la game on va se tourner maintenant avec donc cette opening de l'inhib? On va devoir avoir toujours une personne du côté de Fnatic sur cette top lane. T'es obligé. Pas forcément sur la top lane, mais sur le TF en tout cas. Sur le TF, parce que en plus, ils ont besoin de ce Zac pour l'initiate. Et s'il y a Zac ou Aatrox qui va contre le TF, ben, il manque le dégât de Orianna. Et ça va être très compliqué. Ça va être vraiment du catch and die avec Leona. Comment on fait? Voilà, catch and die. Catch and die. Tout simplement, vous avez vu, c'est comme ça que ça va se dire. Il croise les droits avec le. Il faut vraiment qu'il lâche pas l'agressivité. Il faut quoi? Il faut du warding. Il faut que Bobo fasse un strike. Bobo va striker, t'inquiète pas. Le bowling, il connaît. Il va faire un petit trap sur Alexis. Ulti, on engage, on tue. Nashor, on égalise inhibiteur, GG. Celui qui est le mieux dans la partie actuellement, c'est Varus. Pouzou qui est à 3-0-0. Il a quasiment son last whisper. Est-ce que c'est la bonne personne sur laquelle avoir les kills à ce moment-là, les games? Je pense que c'est bien. Il a toujours été très efficace avec son Varus, avec un énorme poke. Ça aurait pas été un petit peu mieux de l'aller voir peut-être sur Zac, sur Aatrox, pour pouvoir justement tenir sur un V1 sur la top lane? Zac, c'est pas vraiment possible en même temps qu'il arrive à gratter les kills, il était du tout sur les calls. Il aurait pu être sur le First Blood. Il aurait pu. Ça chatait un peu. Il aurait pu. 3 HP 3 HP, Genja On oublie ça. On oublie. Parce qu'après, il y a le First Blood sur Zac, la top lane, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça avec les 400 gold d'avance. Ici, il peut faire un bug un peu plus tôt, partir, je sais pas, sur un spirit, quelque chose comme ça. Donc, du coup, Varus, bon choix ou on aurait préféré sur Orianna ou sur Bobo? Le poke peut faire la diff, à mon sens. Le poke BG, je pense, c'est un très bon pick, moi. Je pense un très bon pick parce qu'ils ont Xing Zhao et Shyvana, ils ont besoin de venir au corps à corps. Et l'ulti, ça les tempo.
justement. Oriana peut les tempos encore. Bien sûr. Et s'ils arrivent, si par exemple. Oriana peut les tempos encore. Voilà. Et Zach, après, ça, en fait. Zach qui fait le combo, c'est ça. AOCC, avec le E de Varus, avec le E de Aatrox, avec même le E de Zach, on peut tempo une frontline très facilement. Par exemple, si tu bloques Varus, il bloque deux personnes, après Oriana les ultis. Il les ramène sur un seul point. Léona ulti derrière. Léona par-dessus. Double bump. Et le let's bounce avec le slingshot. Du coup, ça va être compliqué. Si la rotation de CC c'est est bonne, ça. Les mecs sont CC pendant 6 secondes, tout simplement. C'est ça. 6 secondes. 6 secondes, c'est hachement long. Trop long. La seule erreur que peut faire Gambit, c'est gros groupe à 5, je pense. Ça peut être une grosse erreur. Sauf si la Léona. En fait, c'est le premier qui engage qui va quasiment gagner à teamfight. Si Léona. Sona, elle fait un flash ulti, suivi de Miss Fortune. Ils vont être low en face. Par contre, si c'est Léona qui fait un flash ulti massé sur une personne, ça peut faire très mal aussi. Du coup, mais je pense moi, je pense que c'est plutôt Bora. Il est plus agressif de ce côté-là que Voidel, je pense. Mais ouais. Bora, il a les balls en fait. C'est ça. C'est qu'il a des couilles de taureau. Donc à partir de ce moment-là. Non, mais... Bora, il va. Bora, il a pas le stress, il a pas la pression, etc. Il no care, hein, il go. Il go. C'est. Même si je kill, je go, j'en ai rien à foutre. Ah non, il faut que je tue. Ça paye, hein. Mais bien sûr, paye. Et il a une expérience vraiment énorme. Bora, ça doit être le joueur français qui a le plus d'expérience en e-sport en France. Rendez-vous compte un petit peu. Ouais, une personne qui. Je vois pas d'équivalent, t'as raison. T'as complètement raison. Ah, c'est celui qui a fait le plus d'événements international, etc. Warcraft 3, ancien pro. On jouait en 2v2 ensemble, c'est pour ça que j'aime beaucoup Bobo. Ah, il me fait penser à. Non, je vois pas d'équivalent, t'as tout à fait raison. Non, mais. Parce qu'on allait pêcher ensemble, ça c'était une autre histoire. Diaz Minium 2, est-ce que vous êtes content de ces débuts de partie? Vous changez un petit peu votre pronostic avec cet inhibiteur peut-être qui est tombé du côté AD Fnatic, peut-être que votre... Tour inhibiteur. Attention. J'ai dit inhibiteur? Ouais. Pardon, tour inhibiteur qui vient de tomber, peut-être que vous allez changer un petit peu votre favori. Comment ça se passe? Ou est-ce que vous voyez toujours les Fnatic gagner? Gambit von Win, c'est tout, l'inhibiteur est trop important, vous nous dites sur IRC. C'est la merde pour Fnatic quand même, nous dit Fnatic Saphir, un supporter de Fnatic. Oh, go 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 game. Allez, on va repasser sur la game. Je vous rappelle que le hashtag pour supporter les Fnatic, c'est go Fnatic, comme vous le voyez en dessous de votre écran. Allez, choisis, on est reparti pour la game. 2000 gold d'écart encore une fois entre les deux équipes. Et on est reparti avec un gros push sur Atop Lane. Pouzou un petit peu tout seul, faisons attention. Faisons attention. Allez, Léona qui vient le supporter justement. On est deux sur un middle lane, ils sont trois du côté des Gambits. On a Shyvana toute seule bot lane en train de pousser et elle va sûrement réussir à prendre cette tourelle bot lane qui ne doit pas être full HP. Soit level 11 actuellement. On a la Sunfire qui a été achetée sans ACS des deux côtés des solo lane et toujours pas la Sunfire du côté de Shyvana. Soit est mieux au niveau de ses timers de build. Très bonne pression ici. Oh là là, voilà, le Q-spell de Pouzou, il est bon, il est très très bon. Il est important. Elle est importante. Il est important ce poke. Il est très important ce poke. Diamond Prox un peu mal placé ici. Très mal placé. Il va falloir bump. Très, oh, mal très bien joué. Follow up. Et bon, bon. Allez, c'est parti. Allez, on fait un kill sur Diamond Prox directement. Un ulti de la part de Miss Fortune qui était bien pensée. C'était pas une mauvaise idée de la part de Ninja, mais on n'avait pas la BT ni la pioche. Voilà qui aurait pu faire la différence. On est en 5v4. On est en 5v4. Alexis a son ulti. Il fallait pas le prendre ce teamfight du côté des Gambit. On a réussi à down le jungler des Gambit Gaming. Oh, le Bora qui deny le flash out de Diamond Prox. Et on est le seul joueur à être sur les 4 kills de l'équipe du côté de Bobo. Ouais, c'est 0-0-4 actuellement. Il nous fait une très belle partie avec sa Léona. Il a la Swisper Pouzou, il doit être up. Il est up. Et il a toujours son flash aussi. Le Poke Q-Spell, il va être absolument affreux. Et tant qu'ils arrivent à mettre cette pression middle lane avec la prise de tour, la prise d'objectif. Le speed push a pas le temps de se mettre en place en fait. Il a pas le temps. Tout simplement. Si Alexis est quand même déjà en position, la T1 bottom. Ça reste la T1 bottom. Ça reste la T1 bottom. Ça reste 150 géants. Ouais, ça reste aussi une tower qui doit tomber hein, au bout d'un moment dans la partie. On va pas se le cacher, une T1 ça tombe. Entre Fnatic et Gambit, voilà, on est obligé. Par contre, la T1 mid va être un petit peu défendue. Hein. Level 11 pour Pouzou. Il a toujours son ulti. Faut pas aller trop loin. Parce que voilà, ça va engage. Et c'est très bien engage du côté des Fnatic. Attention, Pouzou qui prend une grosse sauce. Là, il a réussi à flash out. Réussir à s'en sortir. Superbe Q-spell de la part de Pouzou en plus. Qui s'en sort à 100 HP minimum. Ça retaque Darien qui va tomber. Alexis qui est en train de remonter. Ulti de Bobo. Striker, c'est bon. Légendaire Bora. Attention à toute cette fake là qui va essayer de faire des petits moves un petit peu en mode beast to fly. Là, qu'est-ce qu'il nous fait?
le Alexis, très très mobile, hein, les quintes TMS, bot en deux, là, il les a, bot de Péné. Alexis qui est là sur le dépush de la T2, middle lane, et oh, il s'est fait catch comme une saucisse. Eh bah ouais, vous auriez gagné contre les Fnatic si vous n'aviez pas fait d'erreur, malheureusement. Vous en avez fait. Vous en avez fait, vous êtes à 3300 gold des Fnatic dans cette partie. On a perdu. L'agressivité Fnatic qui fait totalement la différence avant le fight. Très très bien utile à part de gagner le pit, le E, le Q spell par dessus. Dommage à part de qui était un peu mal placé quand même. Derrière qui essaie de dive in, Pouzou qui recule très bien. Très belle ulti, excellente. Le Q spell de Siani qui touche pas malheureusement. Le E qui touche Darien. Et voilà. Et le bobo maintenant. Bon, ça saoule maintenant. Tu arrêtes de bouger. Voilà. Et le Alexis ensuite qui redégage, qui fait des moves un petit peu chelou. Alors qu'il aurait peut-être pu continuer son split push bot finalement. Il aurait dû. Il a un petit peu perdu son temps ici. Il essayait de faire peut-être sa superstar. Peut-être qu'il cherchait aussi le dernier. Il y avait pas mal de monde de l'OHP. Voilà. Il cherchait le kill. Il cherchait la personne à 30-40% HP pour faire un kill gratuit et facile. Et il y avait une T1 quand même middle lane. Donc on a un Lich Bane, on a un TF. Plutôt rapide à des pubs. Si on arrive à tuer une personne, il y en a deux qui récoltent après, on peut essayer de la prendre. Voilà, j'arrive à comprendre un petit peu la réflexion. Mercure mais là. Ouais. Mercure en route. Hein. Il a raison. Ah, ouais, il a raison, c'est un Varus. Il est là pour le poke en plus pour mettre des gros cuspels. Sa zone, qu'est-ce que ça. Oh la vache, Voidl qui se prend moins 40% directement. Attention, la gold card a été activée. Darien qui a go directement. Joli zoning de Yellow Star, la boule qui est toujours présente. Elle se fait bien jongler par XPK. On n'a pas les ultis Diamond. Attention, Diamond Prox ici. Très belle boule de la part de Oriana. Qui arrive à faire descendre un petit peu les HP. Et à rééquilibrer le teamfight. Ah, il va être important celui-là, cette petite confrontation. Toujours l'ulti. Il y a une équipe. Oh, elle a touché. Elle a touché Voidl et à 50%. La tour tombe. Merci Varus. 4-0-2, le Last Whisper, la BT. On a uniquement la BT du côté de Miss Fortune avec les bots en 2. Petit Yellow Star. Pas encore chargé, il est à 50% même pas. Va falloir faire ça à l'ancienne, directement à la shockwave. Alexis n'est pas présent. La tour qui se fait full DPS. C'est parti pour soi, je pense. Non, c'est bien trop compliqué. Il n'y a pas de flashing crescendo. C'est bien trop compliqué. Il manque le crescendo flashing. On est propre hein, pour le moment du côté des Fnatic, donc on va le rester. On a été prendre la tower bottom, hein, la deuxième T2 tout à l'heure. Donc on a pas... double hit. Celui-là il fait plaisir. Prochaine wave, si on voit une balista, ça serait pas du tout étonnant. On est full HP sur Yellow Star, sur Pouzou, sur XPK, sur Soaz. On est un petit avantage en termes d'HP. Tanking au shield. Mais c'est léger. Attention, il va un petit peu trop loin. Le zoning de Diamond avec le E, dash out, on désamorce la situation. Le Darius, le E de Darien, on en avait parlé tout à l'heure. Alexis, il a l'air chaud pour ulti et go in ici, mais il a pas de Zonia pour temporiser. Il part sur un DFG deuxième item d'ailleurs. C'est assez important pour être précisé. Et le trap. Et hop, ça engage directement. Oh, très belle ulti de la part. Balista, nickel. Nickel. C'est l'école de League of Legends. L'école. Voilà. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Tranquille. Dogby fait le truc. Petite shockwave juste pour toi, tu fais les boules. Mais autour, tu tournes. La Sona est tellement importante dans la composition de l'orbite. Elle est trop importante cette Sona. Elle est beaucoup trop importante. Et derrière en train de push sur la mid lane, ça sera pas possible, le dragon va être pris et il arrivera uniquement à mettre quelques coups sur la tower. On se dirige vers la top lane du côté de TF, du côté de Lexi. On essaye de profiter de cette tower T3 qui est tombée tout à l'heure. On essaye aussi de style le blue buff, mais ça sera trop compliqué. Cyanide, c'est pas très c'est trop compliqué. Go, il faut go, ils sont 4v2. On a XPK qui est là. Allez. Et le Bora qui est là en réception. Le E qui passe derrière, il le désamorce quand même. Il va pas regoder. L'ulti était pas. Ouais, il a complètement fail hein, l'ulti par contre. Non, mais c'est parce que. Un peu trop précipité, mais. C'est pas grave. Moi je lui pardonne aussi. Je lui pardonne. Si win, de toute façon ils sont pardonnés. Ah, ils sont pardonnés. Liandry, deuxième item encore une fois hein, sur l'Oriana d'XPK. Intéressant, on demandera son avis à Shlaya peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Tiens, reprends ton micro. Parle un petit peu avec nous. Qu'est-ce que tu penses de ce Liandry? Deuxième gros item sur la Oriana. On a le Gralimpi en premier item avec les bottes de Spellpen. Hein. Ça fait déjà des HP, c'est important, ça peut se faire one shot. Ouais, le Liandry, pas d'HP supplémentaire, Mascanté, on est d'accord. Mascanté. Ouais, Mascanté. Mais après, le Liandry, pourquoi le level up et pas partir sur un item à plus grosse connotation offensive?
Il y a beaucoup d'HP en face, en fait. Si on regarde la Shyvana et Xing Zhao, ils ont la blinde de HP et il n'a pas besoin de one shot forcément le TF ou l'AMF, il a juste besoin de les CC. Et du coup, ben, il va essayer de piler pour le Varus, qui découpe des gens. Il fait que des dégâts. 5-0-2. Tout ce qui est zoning, en fait, tout ce qui est zoning. Le peel, c'est, ça s'écrit P-E-E-L, c'est tout ce qui est voilà, temporisation de l'ennemi, crowd control, donner au Kyriadé la bonne situation pour envoyer la Tosso. Il y a bientôt le prochain teamfight. Quelle est la solution pour les Gambit Gaming là, contre un Varus aussi fit que ça, 5-0-2, on a du poke, on a une nouvelle BF, on n'a pas les bots en deux, mais on fait tellement mal. La seule solution que je vois, c'est vraiment choper le Varus. En fait, c'est la Sona qui peut carry un peu la game. Avec un bon crescendo sur Varus et une autre personne, en tout cas, et suivi de Miss Fortune, Shyvana, etc. etc. Et sinon, le problème de TF, c'est que tu peux pas te permettre d'être derrière, en fait. Parce que là, TF, il veut speed push, mais son équipe a besoin de lui. Parce que sinon, Leona, Goin, YOLO, passif, Aatrox et Zac. Du coup, ça va être très très compliqué et puis, pour Gambit. À part Alexis, il n'y a personne qui dépush efficacement. Exactement, ouais. Il leur faut le TF. Voilà, ça goûte directement Daria en première ligne, qui se fait complètement maîtriser. C'est mal. Et regardez un petit peu derrière, on a le Let's Bounce directement sur Alexis qui est complètement. Allez, c'est bon zone pour les Fnatic, double joli kill pour Varus. Le bullet time qui déclenche uniquement premier passif. Le passif. La shockwave qui a été flash out par Voidle. Et deuxième passif du côté de Soaz. Ils sont allés loin quand même. Il est allé loin. Ils sont allés très très loin. TF a son ulti, attention quand même ça. Ouais. Ça c'est important, faut pas qu'il split. Bon, là je pense que TF va ramasser un kill. Ouais, ça sera sur la Leona. Non, ils sont regroupés quand voilà. même. Attention. Ah si, il go quand même, c'est lock. Il est où? Il est stay sur Leona, sur Yellowstar, qui arrive à s'en sortir. Il a essayé Leona et Leona a du flash. Ouais, Leona a flash. Ouais, Leona a flash out directement. Elle est partie sur Tabi Ninja en plus, donc elle a dû se prendre une grosse gold card. Mais il a cru qu'il pouvait tuer Bora comme ça, il est fou. Il est malade. Il aurait dû se prendre. En tout cas, la botlane qui fonctionne très très bien. Ah, la botlane, elle est royale là. On 7-0-2. On en dit pas trop Reckless dans cette partie. Ouais, voilà. Justement, la question Reckless, là, elle est toute posée. On avait eu un Twitter, on avait eu un communiqué de la part de Reckless qui disait: si Fnatic gagne, il laissera l'équipe telle quelle, il ne rejoindra pas Fnatic. Ouais, c'est un peu. Attention à ce que tu dis. C'est magique. Attention à ce que tu dis. Attention. Il m'a dit qu'il avait peur. Attention, attention, attention. Le Baron Nashor qui a été enclenché de la part des Gambit Gaming, c'est sûrement leur dernière solution pour peut-être gagner la partie et revenir. Mais là, c'est engagé du côté des Fnatic. Pas de shockwave, non, pas si bien que ça. C'est une qui tombe. Il n'y a pas de passif sur Zac, sur Aatrox. Pas trop dégueulasse. 1-1 pour le moment. On est en 4v4. On a son flash du côté de Genja, on va faire un bullet time, non, on l'a pas. Très bon ici, flash out directement claqué par au-dessus, double qui est récupéré par trop feed. Trop feed. Beaucoup trop feed, le Nashor est complètement deny ici. Mais il fallait tenter quelque chose quoi. On a encore Alexis, on a encore Genja. Et ils l'ont tenté, ils ont réussi à le prendre. 5k gold de différence entre les deux équipes, par contre, c'est quasiment ouvert hein, sur middle lane et sur a bot lane. On a 20 secondes sur Darien et sur Diamond. On va prendre cette tower et c'est une sauce qui se permet avec son Zac d'aller tanker tout ça. Soaz qui a un petit peu struggle hein, sur sa phase de lane et qui maintenant bien sûr compense tout par ce AOECC. Et on a le premier inhibiteur de la game qui tombe à la 26ème minute, ce qui est plutôt fast quand même. Ça va. Plutôt fast. 14-3 hein, quand même. C'est 14-3 au niveau des kills. Au niveau des kills. Au niveau des goals, c'est pas au aussi expressif que ça. C'est pas si ouf que ça. Et on voit qu'au niveau du farm, c'est assez serré quand même. Top lane, close. Middle lane, on est sur un pied d'égalité encore. Bot lane, Pouzou qui est un peu devant, mais bon, avec les phases de push, les Q spells, voilà, regardez, quand Hippo qui farm en fait. Et puis il y a un Xing Zhao qui est là avec 26 de plus que le Aatrox. Bon, voilà, c'est équilibré en termes de farm. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a 9-0-3 du côté de Varus et on a le 1-0-11 du côté de Bobo qui part sur un Aegis. On a une Dance Bell sur Pouzou. Le burst directos, hein. On sait jamais, flash crescendo, flash gold card, Q spell et tout, ça peut mal se passer. Bah, de résistance magique, il a 9-0-3, il faut pas qu'il meure, bien sûr, c'est son délire là. Ah, il vaut masse, Ah, il vaut masse. Par contre, le KDA de notre ami Darien. Ah, le KDA de Darien, il prend très cher. Là, il prend cher. Ça repart dans des bases. Ça repart sur. Classique. Ah, Yellowstar sur speed push. Le fameux. La spéciale. La spéciale de Yellow. Ah, deux personnes qui viennent top lane pour Endelbora. Ouais, non mais moi j'écris le décal. TF Shyvana, je pense que Leona est un peu supérieure tout de même.
Et on a un Drake Free du côté des Fnatic qui ne sera pas pris. On se dirige directement vers la bottom lane. On n'a pas envie de laisser Alexis en speed push. Très bonne réaction speed push. Tu speed push, pas de problème. Ouais. Nous, on va push directos dans ta base. Bah ouais. Et tu. Ça me vient de Léona. Il est obligé de back, pas de dépush. Pas de dépush. Ah non, mais c'est trop la merde. Ils vont réussir à prendre la tour très rapidement. Pouzou. Et là. Oh bordel. Et la tour maintenant, la base est complètement percée. On attend le push sur middle lane et on va rentrer en même temps dans la base ennemie. Oh, encore une fois. On attend les passifs hein, sur Cyanide et sur Soaz. Ça devrait bientôt revenir. Et un petit peu plus long le passif de Zac hein, par rapport à Atrox si vous ne le saviez pas. Donc si vous ne le voyez pas sur Cyanide, il n'y est pas encore sur Zac. Il y est sur Cyanide. Cette maîtrise du jeu quand même chez les Fnatic, il y a quand même l'inhibiteur qui est exposé top lane. Ils ont jamais eu l'occasion de se pointer là. Ils ont clairement vu la faiblesse du push, du poke, du dépush chez les Gambits. C'est pas un problème finalement. Mais non, c'est pas un problème puisque ils sont pas capables de contrôler un push, même en 4v5 ou peu importe, tant qu'il n'y a pas TF. Qui clean les waves? Personne. Personne n'est capable de clean ces waves. À la Shivana de Darien au final, un pick qui a pas réussi vraiment à sortir hein, dans la composition, on l'a pas beaucoup vu. Shivana ici qui est pas. À quel moment un peu envisager d'être utile dans la partie là. C'est déjà mort. On vise un peu plus late, hein, avec un petit frozen mallet et tout, ça peut faire un tank qui est quasiment intuable. Shivana, bon, voilà, en late, étant donné que c'est pas un héros qu'on voit souvent, est-ce que ça tient la route vraiment? Shivana? En late. Oulala, le trap. Oh, Soaz qui prend toute la sauce avec le DFG. Il a le passif. Il est pas encore mort. La shockwave complètement loupée. Attention, Darien qui a mis son ulti. Très très beau bullet time de la part de Genja. La shockwave qui est partie un petit peu dans le mauvais sens hein, pour expliquer. Soaz qui va peut-être tomber, mais c'est pas encore fait. Regardez la French Baguette qui est en train de défoncer. Diamond Prox dans la jungle. Et l'ulti de la part de Soaz. Premier kill récupéré. Allez. Tant que Pouzou est on, de toute façon, tout voilà, se passe bien. C'est parfait, 2 kills qui ont été récupérés. On s'approche des 10 cagoles de différence. Il y a eu le duo de la baguette, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais Soaz qui s'est pris un monster. Il y a eu croissant choco. Il s'est pris un monster focus quand même. Allez, hop, le 1v1. Plus, ça c'est réglé. Le focus sur Soaz qui. Le trap était bien pensé, mais le mec, quoi. Voilà, c'est le mur de Berlin, quoi. C'est n'importe quoi. La maille du gardien, les bottes en deux, le chapeau du Schtroumpf, nous avons la Sunfire, la gemme exaltante. Il y a du stuff. On n'avait pas encore le visage spirituel, et heureusement d'un côté, parce que sinon on aurait encore plus. Sinon, il aurait fini à 50%. Expliquer qu'il prend 2-3 coups avec son shield, ah, plutôt bien tempo. C'est ouvert terminé, hein, sur un bottom lane. Est-ce qu'on va se risquer à ces derniers inhibiteurs? C'est un petit peu tendu, hein. Pourquoi se risquer? Pourquoi se risquer? Ils viennent d'avoir mass boule. Ils finissent son nieu, Pouzou, là. Ils finissent son nieu, tranquillement. 1 minute 45 pour le Nashor. Eh ben, on va l'attendre. Un petit bac, on reprend le map contrôle, on clean un petit peu. Voilà, on est parti peut-être refresh un petit inhibiteur, pourquoi pas. Et on fait le spectacle, bien sûr, pour tous nos spectateurs en France et en Espagne. Deux contrées qui sont pour voilà, une seule et même équipe hein, dans les LCS. IE Red Pod sur Pouzou. D'un côté, il y a le seul espagnol avec XPK. Oh, excusez-moi, il y a Mitty aussi d'Element Dogs. Il y a Mitty d'Element Dogs. Merde, je viens d'y penser là tout d'un coup. Ouais, mais nous les Français, on a que les Fnatic. On a que Bobo et Polo. Donc, bon, c'est pas grave. Mais il y a masse espagnol qui sont derrière les Fnatic. De toute façon, je pense que toute l'Europe sont derrière les équipes européennes. Aujourd'hui, durant ces 3 prochaines semaines de saison 3 de LCS. Et j'espère que vous êtes tous là, les 10K Gold entre les Fnatic et les Gambits. C'est pour bientôt. 9K Gold de différence entre les deux équipes. Je croyais que c'était le moment. Allez, je vous rappelle aussi le Twitter, le hashtag GoFnatic si vous voulez poser un petit message de soutien pour les joueurs de l'équipe de la structure Fnatic. Ils en seront vraiment ravis, hein. Dites-vous bien qu'ils vont regarder ça directement après leur match d'aujourd'hui. Et ce serait magnifique s'ils arrivent à remporter cette game. Ils seraient premier égalité avec les Gambit Gaming. Allez, langage de Bobo. L'ulti sur Voidle juste derrière. On est 5v3 maintenant. Double kill du côté de Pouzou. On est en 11-0-4. C'est le bus magique, c'est le train magique, c'est l'avion magique, ce que vous voulez. Ils sont trop chauds. Ils sont beaucoup trop chauds. Ils sont beaucoup, beaucoup trop chauds. C'est une excellente nouvelle pour les Fnatic, cette victoire face aux Gambit. Ils sont de retour. Après le petit accident contre Vulkun. On se rachète. Aujourd'hui, les deux matchs, ils étaient ultra chauds pour les. Ils ont fait une gambit hein, durant ce championnat, durant ce tournoi. Ils ont commencé mal et ils continuent de la meilleure façon qu'ils soient. Oh. Alexis sous la Nexus. Oh là là, sous ils la vont, fontaine. Ils vont être difficiles à prendre. Ah ouais.
ils pourraient être difficiles à prendre. Je crois que dans ce groupe, on va avoir deux équipes européennes qui vont sortir. Attends, puisque... retour, les Samsung peuvent revenir, tu connais la folie coréenne. Non, non, je ne connais rien du tout, je vois le niveau ici, et tant qu'il y a Léona sur Bobo, c'est terminé. Allez, je gueule un petit coup, c'est cool, les Fnatic viennent de remporter cette partie, Bobo et Polo donc. C'est imperfect pour eux cette journée. On a gagné contre les Gormit Gaming et on se replace bien pour les quarts de finale. C'est le sourire hein, sur le visage des joueurs de Fnatic, que ce soit sur Soaz, sur XPK, sur Cyanide, sur Pouzou, sur Yellowstar. Pouzou, une game parfaite encore une fois. Yellow. Hey Bobo. Hey Bobo. Hey Bobo. Et Bobo. Ça s'est bien passé. Ah bonjour. Trop bien. Il fait toujours ça. C'est ça. Je suis trop content, je joue à League of Legends. Et là il va regarder l'autre. Il va se mater une série. Il va se mater Dexter. Non, il rentre à la maison, il fait War 3. On va War 3 là tous les deux. Il faut War 3. Tout simplement. Petit applaudissement bien sûr pour XPK. La foule qui supporte hein, l'équipe Fnatic, on l'avait ressenti un petit peu durant le match. Alors bien sûr, c'est pas les Vulcans, c'est pas les TSM. Et ça reste quand même des équipes incroyables. Incroyable. Incroyable les Fnatic. C'est bon, c'est win. C'est win. C'est win. Bon bah, salut. Salut. C'est bon, on a vu ce qu'il nous fallait. Non mais c'est bon, maintenant nous c'était ça qui était intéressant. Vous êtes contents. Ah, j'imagine que vous êtes tous contents. On va regarder un petit peu vos messages sur Twitter et sur IRC. Envoyez-nous vos messages sur GoFnatic. La win, évidemment, je vais poster moi mon petit message. Messieurs, je vais vous laisser parler un petit peu, nous faire un petit peu un résumé de la game, nous analyser pourquoi et comment les Fnatic ont gagné. Ça aurait pu déjà décommencer un petit peu autrement avec justement ce kill qui aurait pu être pris de la part de soi sur la top lane avec Lina qui ticote Genja jusqu'à 2 HP. Il y a plein de façons de voir les choses de toute manière dans cette partie, mais la manière dont ça s'est goupillé, c'est juste une très très bonne réflexion des Fnatic. Ils ne se sont pas laissés déborder par le potentiel speed push. Ils ont été plus agressifs qu'une composition faite pour ça en fait finalement. Et c'est ça qui est complètement ouf. Souvent les équipes, voilà, on a un petit peu de mal, le speed push qui se met en place, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, à quel timing on peut y aller. Il y a bientôt le dragon, il est top, il est bot, qu'est-ce qu'on fait, on engage, on y va. Aucune hésitation. Tout droit. Tout droit. Incroyable. Ouais, c'est bien joué de leur part. En plus, l'avantage que de jouer avec Pouzou, c'est qu'il joue des persos un peu utilitaires. Et du coup, ben, c'est en teamfight, c'est vraiment un monstre parce que ben, Varus, ça a beaucoup de CC. Ouais. Alors, il voit quelqu'un sur une ligne, pas. On y go. Pareil pour Léona, c'est pareil. Aucune hésitation, c'est ça. Du coup, ils ont empêché le speed push. Ça leur fait une force monstrueuse quand même au Fnatic, c'est que on n'a pas ces fameuses 2-3 secondes où on sait pas quoi faire, où on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Non, on baisse la tête et qu'est-ce qui se passe ? Tout droit, directement. Ah bah ouais, ils ont sorti les balls. Ils sont plus agressifs que des Gambits. Enfin, je veux dire... Oh, voilà, c'était une belle game. Hein. Et contre les Samsung aussi, c'était exactement la même chose. Ils sont tellement agressifs, ils go in de partout. Le combo Lissandra-Oriana tout à l'heure avec la Léona. Comment tu veux gérer ça si t'as pas. Et du coup. Je sais pas, un moral d'acier. Tu vois le truc venir, t'es là. Et du coup, comment contrer cette composition? On avait vu quand même, il y avait beaucoup de points forts hein, du côté des Fnatic, que ce soit au niveau de leur AOE, de leur prise d'engage, aussi du passif. Exact, Aatrox, quand même des personnages un petit peu relous. Bah, je vais contrer. Ils ont eu quand même une. Grosse championne poule hein, dans cette partie. Ils ont une grosse composition. Est-ce que le match était joué déjà en lobby? Non. Si TF avait réussi à être efficace sur ses ganks, mais on a vu PK qui le suivait un peu partout, etc. Et il aurait pris 2-3 kills sur les lanes, au mid, ça serait pas passé de la même façon. Et du coup, il aurait pu vraiment avoir cette capacité de speed push. Là, il est jamais passé au stade de menace. Ouais. Finalement, il est jamais passé au stade de menace. Il a eu la pression. Il a eu la grosse pression, et puis. Il n'a pas réussi. Quand bien même il avait l'occasion de mettre en place un speed push, il était directement counter parce qu'il y avait 5 Fnatic qui étaient devant une tour et que. Mais il y avait un gros trou dans la composition Gambit finalement. C'est que quand on envoie des speed pushers, soit. Mais quand même, il faut arriver à tenir la défense avec le reste de la composition. C'est le fameux 1-1-3 des Fnatic. Toujours de quoi des push. On se rappelle leur composition classique, le Nasus, enfin en saison printemps, c'était super longtemps, le Nasus mid. Le Nasus Jungle, pardon, une Caitlyn, un Varus pour le dépush et un support type, je sais pas, Sona. Ou quelque chose comme ça, quelque chose qui peut très bien handle les waves de creep à la chaîne, à la chaîne. Et pendant ce temps-là, on met, par exemple, le chaîne top et le TF bottom.
Et on n'arrive pas à push et pendant ce temps-là, les autres, bah déjà c'est des duellistes ou alors c'est la même logique avec les Z par exemple. Je voudrais parler de deux cas particuliers de cette game. Le premier des Gambit Gaming, c'est la Shyvana de Darien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On l'a pas beaucoup vue. Ça s'est mal passé pour elle. Je pense que Fnatic avait anticipé un swap lane et du coup, ben, s'il se retrouvait face au Zac, ça aurait été bien pour, Gambit. Et du coup, ils n'ont pas swap et du coup, ben, ils se retrouvent en 1v2 et Zac en 1v2, c'est fort. Et Shyvana, c'est un peu moins fort en 1v2. Bah, on a vu le résultat, des CS, il y avait quand même une avance du côté de Darien au niveau des CS. Ouais. Hein. Après cette phase justement de lane, par contre, il se fait kill sous la tower, on s'en rappelle ça, et ça, tout. Ça paye. C'est ça qui fait vraiment le très, très mal. Par rapport au 1v1 après. Bah, ouais. On commence à enquiller Pouzou, en fait, finalement, à partir de ce blood-là. Ouais. On commence à enquiller Pouzou. Il a perdu des farms, la tour a pris beaucoup d'HP. Ça, c'était vraiment, vraiment. Le move à faire et c'était très bien joué de la part d'Atrox. Justement, on reparle de Pouzou parce que c'était l'autre personne dont je voulais parler qui termine à 11-0 quelque chose, enfin une partie complètement godlike. 11-0-5 de la part de Pouzou. Énorme. Bon KDA. Est-ce que je peux vous demander si c'est pas un des meilleurs carry AD maintenant européen quand il est arrivé dans l'équipe Fnatic? Il est différent. Il est complètement différent des autres. Mais on l'a vu quand même sortir le Corki, hein, ça s'est très bien passé. Il sait jouer suffisamment agressif. Ouais. Mais je pense que dans cette botlane, il y a vraiment Bora qui apporte énormément dans ce truc. Qu'est-ce que t'en penses de Bora? Est-ce que c'est juste notre French Touch qui nous fait penser ça ou est-ce qu'il réalise quand même des plays? En fait, la botlane, c'est en début, c'est le support qui carry la lane. Mm-hmm. C'est le support qui doit tout faire. Si t'es pas assez agressif, que ton AD carry peut pas farm, toujours le rôle de pression, etc., de zoning, de mini zoning. Voilà. C'est un travail à deux aussi. Mm-hmm. Genre, on a pu d'avancer en même temps, de reculer en même temps. Et du coup, il fait très bien son taf. Il a été AD carry, du coup, c'est mécanique qui fait. Je pense quand il était à Décarie, il devait dire je sais pas, vas-y, vais là. Mais là, lui, il sait dans sa tête ce qu'il doit faire. Donc, ça aide beaucoup. À mon avis, il le disait pas. Hein. Ouais. Non, à mon avis, il le disait pas. Il l'a jamais dit à son support. Et à un moment, il a kick parce qu'il savait pas. Parce que c'est à peu près ça qui. De toute façon, pour que Borage puisse supporter un autre à Décarie, c'est que forcément, il lui convient à un certain niveau. Oui, bien sûr. Il n'accepterait pas qu'une personne soit moins forte, etc. Voilà, s'il est repassé au rang d'ADC, bon, c'est pour histoire de réclasser tout. Mais à mon avis, si le mec qu'il allait supporter était complètement bidon, il aurait fait non, mais faut vous foutez de ma gueule. Ok, il n'est pas les bases du pro, vraiment du high level. Tu vois, il a un style qui est à lui vraiment Pouzou, avec surtout les Varus plays, l'aspect utilitaire comme je l'avais en parlé. Il n'a pas fait deal au pit. Hein. Varus, il ne fait pas deal au pit. Il n'a pas fait deal au pit. Le truc, c'est que. Après, il y a d'autres choses qui lui servent. C'est plus facile de louper un ulti Varus quand il n'y a pas l'ulti de Leona pour mettre la pression derrière. Tu vois, c'est sûr, t'as un Zac, t'as un Aatrox, t'as une Leona. Voilà. Si ça touche, ça touche. Vaut mieux que ça touche. Toujours cette histoire de combo en fait. Il y a un CC qui touche. Il y a follow-up. Follow-up directement. Il n'y a pas de trou en fait. Alors que côté la composition Gambit, niveau crowd control, c'est un peu. On est un petit peu limité. Bah, c'est pour ça qu'on prend tout le temps une Sona. Et oui, ça réfléchit un petit peu quand même. Hein. On fait pas les trucs comme ça, on pique pas parce qu'on aime bien le héros. C'est pas parce qu'on a un skin sur Sona qu'on pique. Hein. Le hashtag GoFnatic, vous pouvez nous parler actuellement. Angel Fnatic, une fille. Attention sur Twitter. Attention, nous avons une fille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Donc bonjour mademoiselle. J'espère que vous allez très très bien, que vous regardez et que ça se passe bien les LCS en notre compagnie. Les meilleurs, tout simplement, les Fnatic. Nous avons Meul aussi qui nous a envoyé un petit message. Bobo MVP, best KDA LCS, tout dans la tronche. Elle nous dit-il il y a une minute. Tout best KDA LCS, non. Possible. C'est pas impossible. C'est pas possible, moi, je pense. Après, vu la fréquence de refresh de l'Olysse. La fréquence de mort de Bobo est plutôt élevée. Ça va ? Bah, Igo. C'est... Bobo Igo. Des fois, il y a des conséquences. Ça, Léona, tout à l'heure, il avait plus de 4 morts. Hein. Il avait genre 0-4-6 à la fin de la game. C'est pas refresh, hein, parce qu'on a derrière un 33 de KDA. Dans les stats. Allez, on vous fait un petit résumé de ce classement dans le groupe B. Regardez comme je vous l'avais prédit. Le classement est... trusté par les équipes européennes. Il n'y a pas la game victoires, une défaite. Gambit Gaming 2-2 et Vulcoun. Non, pardon, excusez-moi. Samsung Ozone 2-2 et les Vulcoun à 2 partout aussi. Donc, équipe américaine et asiatique derrière les équipes européennes. La vieille Europe s'est sortie les doigts du cul. Ah ouais, je te dis. Là, ils montent du gros niveau. On est fiers un petit peu. Ah oui, parce qu'en plus, on n'a pas d'équipe qui est déjà en phase finale. Et du coup, ben, là, ils se battent pour. Non, mais si c'est bon, ça.
Et là, c'est vraiment réglé. Bon, là. On va parler, avant de clore ce stream, et bien sûr de vous envoyer une toute petite rediff de 30 minutes. On va vous envoyer. Léger Twix, vous êtes craquant, bisous sur les fesses, à Schley, à Schpitt, notre rédaction, bien sûr, qui sont en train de travailler là-bas et tout, et qui sont en train de nous envoyer quelques messages. Merci pas, à toi. Donc, je voulais vous reparler. Donc, regardez le calendrier de demain. Ça sera à partir de 4h du matin sur Miami TV 2. Et justement, il y a Lemon Dogs, la troisième équipe européenne. On en reparle juste après. Très regardez bon match, le calendrier. LD contre OMG. Ce sera un des plus beaux matchs. Gaming Gear contre SKT déséquilibré. Bon. TSM, Lemon Dogs, un match bon où match. Il faut gagner pour les Européens. GG OMG, un match déséquilibré. SKT contre TSM. Bon match aussi. Bon. Petite surprise. Petite surprise pourquoi pas. Du coup, vu qu'on n'est pas là, vu que c'est pas, on fait pas de lendemain là. Enfin, je sais pas trop. On fait les pronostics déjà, au cas où. On peut faire les pronostics au cas où. Allez, je commence directement. Lemon Dogs OMG. On a 5-0 au niveau des pronostics. Oui, en fait. Je sais, on a 5-0. Lemon Dogs OMG. OMG, moi je sens plutôt OMG. Moi je dis Lemon Dogs. Tu dis Lemon Dogs, t'es européen. Toi t'es européen. Moi je m'en fous de Lemon Dogs, y'a pas de français. C'est un peu vrai. On a côtoyé Tabs. C'est les petits jeunes. Ouais, c'est les petits jeunes. Ouais. Est-ce que les petits jeunes vont être chauds demain? Bah en fait, Lemon Dogs c'est des grands joueurs individuels. Et je pense contre, je sais plus contre quelle équipe, il y a eu un niveau 1 où ils avaient anticipé le truc. Ils ont fait un flash à travers le mur. Mais c'est pas passé, si ça passait, ils auraient snowball la game quoi. Je crois que c'est contre SKT. Contre SKT. Au rouge, s'ils chopaient 2 kills, là c'était, la game était pliée quasiment. Parce qu'ils auraient dû les choper. Ouais, c'est passé vraiment à. Mais ils avaient leur lit contre SKT. Oh, ouais, ils avaient leur lit. Hein. Ils avaient leur lit. Ils étaient à plus 1500 gold, etc. C'est après que c'est parti en cacahuète. SKT, en 2 minutes, ils ont réussi à prendre 2500 gold. C'est Harry qui a fait un taf énorme. Faker, il a fait un taf énorme. Ouais. C'est un scandale ce mec. Même quand sa team est père, elle est. N'importe quoi. Donc, première game, on est donc 2 OMG et 1 Lemon Dogs. Deuxième game, SKT contre Gaming Gear. Bon. SK Telecom, hein, tous d'accord. Team Solemi de Lemon Dogs. Alors, on a un petit best-of des actions de tout à l'heure. Wulkun contre Gambit Gaming. Ça a l'air d'être un petit peu court. Fnatic contre Samsung. C'est très important. C'est ce move qui a gagné la game. Ce move-là, il fait gagner la game, comme tu dis. Avec le Grias qui arrive complètement à la bourre derrière, qui est décalé un petit peu dans le vent. Et là, on a Wulkun contre Mineski qui était la pire game depuis le début de ce championnat du monde. Le petit combo balista très perché ici contre les Gambits. Ça s'est très très bien passé aujourd'hui. Une seule game un peu décevante, mais les autres rattrapent au centuple, bien sûr. On a été où au niveau de notre bordel, nous? Attendez. SKT Gaming Gear, bon, c'est bon. TSM Lemon Dogs. Ça, c'est chaud. Moi, je dirais Lemon Dogs. Lemon Dogs. Bon, on est européen, ça se sent là. Sur bon, là, tu prends les 3 casters américains, ils sont là. Ah, TSM. TSM. Ouais, 100%. Reginald, best player in the world, yeah. Pas de sourcils, pas de skill. Pas de sourcils, pas de skill. Suivante, Gaming Gear OMG. OMG. Et SKT-TSM. SKT. Les TSM n'ont jamais gagné un seul match contre une équipe coréenne de toute leur carrière. Ils ont pas fait beaucoup non plus. Il n'y a aucun américain, je crois, sauf une équipe qui a gagné une équipe coréenne. Je crois. CLG, je crois. Non, il y a Velocity récemment. Ouais, Velocity récemment, mais à l'époque, lorsque CLG avait la Gaming House en Corée et tout, là, ils étaient sur le ladder en plein spam. Ah oui, c'est possible. C'est vrai, ils avaient fait le tournoi. Avec Voyboy, il y avait Voyboy d'ailleurs, toujours à l'époque, avec Coach GG. Il y avait le tournoi. TSM, ils sont maudits. Non, ils sont maudits. Ils sont complètement maudits. Mais ils ont toujours un bon public. Et on espère bien sûr que vous serez présents à demain à partir de 4h pour nous re-suivre sur Miami TV 2 pour CLCS saison 3. On va bientôt partir, évidemment. On va vous faire un petit coucou sur le l'IRC, Dies Minium 2. Il est 9h30 du matin. J'espère que vous avez apprécié. Il y aura un moyen de voir les matchs de cette nuit. Ça sera en rediffusion à partir de 14h30 sur exactement. La Minium TV 2. Bah, jusqu'à 20h, tout simplement. 5h30 de shootcast. C'est logique. Vous pourrez retrouver aussi ces VOD sur mon YouTube. Merci. LGELOL. Vous allez liker, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. C'est un YouTube
extraordinaire. On gagne des trucs, de l'argent. Alors, il dit ça tout simplement parce que hier, le débat, c'était « Putain, mais les vidéos, font pas de vues, je comprends rien à ce site ou quoi ? C'est n'importe quoi !» Je regardais des trucs et tout, j'étais là « Mais attendez, j'ai 200 likes sur une... » C'est de la merde, ça veut dire c'est ça, merde. Parce que moi, je vois des vidéos, elles sont à 1 million de vues, et c'est de la merde aussi, hein. Il était là, mais il y a un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être les tags. Je mets n'importe quoi. Je mets Albert Einstein, je mets Zizou. Ah, moi, je délire trop sur les tags. Ah ouais, je suis la sexe et tout, boum. Je suis là, bon, je vais essayer de style de la fame des copains, donc Chips et Noah. Zerator, moment, League of Legends. Nikazor, c'est bien ça, Nikazor. Ah bah ouais, bah j'espère quoi. Enfin, je pense que tout le monde fait ça. Aucune idée. Enfin bref, on va passer à Jack, bien sûr, sur BMTV de maintenant. On va faire un gros coucou à Chazzy, sœur qui était avec nous. Hein. Ne l'oubliez pas, il y a toujours une personne à la réalisation pour nous aider. On te fait un bisou, Chazzy. Fais-nous un bisou aussi. Bisous, oui, bisous. Fais des bisous. 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 Ah, très ouais. Bien, bisous. Ah. Schlaya, qui était notre dernier invité de la game, bien sûr, pour les Fnatic contre Gambit. Merci d'avoir été avec nous. Ah, pas de soucis. Tu vas te recoucher ou c'est parti pour un petit peu de game? Je suis parti. Là. Je suis parti. Moi. Ça, c'est un joueur professionnel. Regarde, on s'intéresse à la scène et on s'entraîne. Ça, c'est un pur produit. Ça, c'est du bio, ça. C'est naturel. C'est 100%. C'est 100% des Schlaya. Donc, après, c'est parfait. Après, il a pas dit à quoi il allait jouer, quoi. Ouais. En fait, je me suis fait bannir sur CSGO. Ah bah c'est bon. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as mon Léon? Bah j'étais en banquette et malheureusement... Un petit TK qui est... Non même pas. Non. La connexion... Ah non, c'est vrai. Petit 14 heures de ban. Oh, à cause juste des deux. Ta double calache, elle est partie. Ah, je crois qu'elle est partie là. Oh là putain. Oh là là. Tu te fais ban pour avoir livré des games à cause de ta connexion. C'est le pire. Ah c'est le pire. C'est le pire. C'est la crise. C'est le pire. Oh, bon, et ben on va envoyer un mail à Millennium pour qu'il ait sa double calage. on se quitte, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. Twix, un dernier mot. Un bisou. Bisous. Allez, ciao à tous. Et on retrouve Jack juste après sur MMT2 pour une session de ladder vitaminée. Ciao, ciao.